vous explique, les chatouilles, c'est qu'une question de volonté en fait. Ah ouais? Ouais? Ok, alors là. Ah oh, je peux stream! Ah oh, je peux stream quand même ou quoi? Aïe! Mais tu me fais mal! Il m'a fait mal, gros! Il faut que tu viennes d'arriver! Non, c'est bon, là, tu m'as fait peur en fait! Arrête! Arrête! Elle est un fou furieux! Bah oui, je panique là en même temps et tu lâches des cris qui n'existent pas. J'ose pas des cris normaux en mode ah, ça va. Ça n'existe pas des cris comme ça, putain. Fou. Ah bon, excusez-moi, je me suis fait agresser là en plein stream. Et... Vous connaissez Twitch Prime? Tu es quoi? Une petite salope. Non, Narcus, je peux pas te laisser dire ça. On se met deux points dans le cul. Je veux que tu te réveilles. T'es une honte. Une honte. Alors là, je suis obligé de XD parce que là, c'est vraiment drôle pour le coup. Ah, tu es une autre compliqué. Oh, ok, ok. Allez, Ficus. Arcus. Oh oui, non. Mais je vas-y, si j'ai plus envie de jouer. T'as pas pu voir ça, hein. J'arrive, Arcus. Oh. Oh non. Oh. Oh, oui. Oh, oui. Oh oui, monsieur. Oh, let's go, ça me donne les gold pour éviter. Oh, yes. Oh, oh, c'est un vox. Oh non. Vas-y, vas-y, j'arrive. Oh oui, vas-y, on le voit, on le voit. Bon, je vais s'en bas. Oh non. Oh non, t'es mort mi-merde là. Tu les as pas même, je vois pas de la scotch. En vrai, je pourrais peut-être l'ulti. Et les amis, ce soir c'est match! Match, 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 match ce soir! Match classico, le classique comme on l'appelle dans le milieu. Nous contre la K-Corp, ça c'est la K-Corp, ça c'est nous. Et comme ça, ça va faire ce soir. Vous avez peut-être pas vu dans le plan, mais c'est le plan, du coup, justement. Dit par la personne qui va pisser dehors alors que les toilettes existent. Écoute, si t'arrives pas à comprendre le fait de laisser ton Chibrax dans le vent dehors au lieu de l'enfermer dans les toilettes, c'est que tu n'as rien compris à la vie. En plus, si je pissais pas dehors, faut savoir que derrière les locaux, on a ce qu'on appelle une rivière de pisse. Bah, si je pissais pas dehors, on aurait pas de rivière de pisse, quoi. Ce serait sad. On aurait juste pas de rivière. Oh on est en game, let's go, bah tout ouais. Le monde à back. Wouhou. C'était compliqué. Oh, il a TP, Eka, le gamin. Oh, c'est un gamin, carrément, il a TP pour prendre la priomide. Ah, le chien. En vrai, c'est bien, mais du coup, ça nous permet de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire jouer en cross-map. Après, ouais. Oui, on va pas jouer le drake de toute façon, donc... On a l'avance, ouais. On va starter. Mais attends, mais ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est le game? Attends, mec, ça joue le lâche. Ça me fume. Tout le monde était là en mode vas-y, on back, tout le monde va jouer le Drake et tout. Nous, ça joue le Drake, ça joue le lâche, ils en ont rien à foutre. Oh non, Steelback à troll. Steelback à troll, okay. Okay. Il est bait. C'est pour gagner du temps, Il gagne du temps. Oui, on le temporise. Ah, il est mort là. Steelback est mort. Attends, OMG, le. On a récupéré le ballon d'interlation. Dans vos gueules, le remake. Voilà. Alors, ça veut remake ici, bien sûr que non. Lunari Millennium, et je rigole même pas, c'est une game où cette game là, peut-être, bagarre, hein. Peut-être qu'on entendra parler encore dans 3-4 ans, vous savez là, des fois il y a 4-5 ans où je dis ouais vous vous souvenez de cette game, j'étais là et tout, et voilà, et ben là, c'est ce moment, peut-être qu'on est en train de vivre, c'est ce moment où peut-être que dans 4-5 ans, quand il y aura des jeunes kiddos qui seraient là en mode ouais vous vous souvenez, etc, etc, et ben vous direz ce moment, et vous serez comme moi. J'étais là. J'étais là. J'ai connu ce moment et j'étais en slip chez moi. Envoyez-vous en slip chez vous. Envoyez des photos sur Twitter. Pour le best.
Ouais, c'est ça. Là, clairement, il faut qu'à 15 minutes de jeu, on est devant. Si on est à peu près even, normalement, le mid-game, ça va être compliqué d'aller compter. Ça dépendra évidemment de à quel point on est fait. Oh, c'est parti. Et c'est parti. Allez. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jogo. Mid lane. Allez, la clim. Scarlet. La clim. La Adekari. Chop. Skill back. C'est nous qui avons fait ça ou c'est eux? Ah, c'est eux, c'est chez OTP qu'ils ont mis ça. Ouais, ouais, sur les clean sheet. Parce que ouais. Personne, il veut pas faire le pré-show quoi. Ouais. Oh, la et pose. La pause directement qui est mise. Allez, on y croit, l'équipe. Non. T'es un gamin, t'épouses. On peut faire quelque chose contre Kayle là. Non, non, on peut pas. Il vient sauver sa ward. Ouais, directement, on voit un 40 secondes avant le spawn du Drake et tout le monde est déjà là. Hein. Ouais. Ouais. Y'a rien qui est laissé au hasard. Ça va go in directement. Oh, Syncroft qui est un peu solo, il va aller chercher le knock-up. Saken qui avance Saken, sur, il très loin. Sur Scarlett. Joko okay. Qui va flash out. L'ultimate qui est envoyé qui fera pas grand chose. Scarlett qui met beaucoup Scarlett, de dégâts. Les gars. Skyken, allez, oh, allez, 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 allez. Non, okay. Pas deux, pas trois fois, pas trois fois. Oui, let's go! Attention, attention, on a Syncroft qui cherche une opportunité. Attention parce que Syncroft il est pixel sur les smites. Oh oui, on l'a, on le tient, on le tient, on le tient, on le tient. Oui, non. Ok, on a forcé le flash. Forcé flash, c'est big. Attention aussi à Saken qui est à bas, qui a sa TP, il va revenir full HP. On a beaucoup de vie. On est en 4v5m, on n'a plus aucun ultimate disponible, il nous reste l'ultimate d'Elif. Côté K-Corp, il nous reste l'ultimate sur Cabochar et sur Syncroft. Le Drake qui va être push. Il faut le faire assez vite quand même, le Zac arrive. On n'a pas l'info. Allez. Ça va y aller côté K-Corp, ils sont un petit peu obligés, ça attend des 50-50. Le Vac, Oui, allez Drake, le Drake. Allez, il faut le Drake. Attention, ça va go in là-dessus, Azak il prend beaucoup de dégâts. On va se débattre. Attention à Elif qui est laissé un peu c'est solo, pas fini, c'est pas fini. Là-dessus, il peut peut-être bench, le stun peut-être. Oh, le knock-up qui va toucher. On y va en marche. Allez, ça peut marcher directement. C'est à ECH Forge, je castais les LCS et Aldé mettait sa bite dans un verre à côté de moi pendant qu'il castait avec moi. Anecdote vraie ou fausse? Alors, c'est faux. Il mettait sa bite dans un verre. C'est faux, mais je sais ce qu'il faisait. Alors, c'est vrai qu'il mettait sa bite dans un verre, mais oui, vas-y. Très bien, bon, écoute. Je sais qu'il mettait aussi des porno gays à côté, sur l'écran, pendant, sur le bureau de cast, pendant que tu castes, pour essayer de te faire rigoler. Oui, c'est vrai, c'est une anecdote vraie. Je sais bien. Il le montrait sur la tablette. Et il sortait justement de la salle chave à chaque fois. Putain, il casse les couilles. Ouais, exact. C'est une anecdote vraie. Oui, c'était très professionnel, les castes à Eclipse Ash Farm. C'est un jeu en noir et blanc? Non, par contre, c'est un jeu sans chat parce que tu es perma. Let's go! Let's go! Quelle année être heureux! Quoi? Son Z m'a touché. Ça a abusé, Baron. Je suis désolé. Hein. Là, tu peux baiser les games avec Elise. Ah. Ça va, c'est la routine les gars. D'accord. Très très bonne défense là de Steelback qui va prendre l'information. Attention hein, quand même à ce zigzag avec X-Mati. On a le Nashor pendant 2 minutes 30, on a encore un petit peu l'Elder, Elif qui va commencer à poke un petit peu avec les Q. L'Inhibmid qui va tomber, on va tomber l'Inhib top aussi. Il y a plus qu'une tour, il y a plus qu'une tour. Une seule tour effectivement, une seule tour, un hook, un stun et ça peut y aller. On vient de mettre la pression. Joko qui est tellement tanky. Il est top qui est pas tombé. Oh, ça glisse. Allez. Oui, allez, ça gagne. Allez, 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 allez,
attention, attention tout de même à Sozik, on va prendre l'inhibiteur, il y a la tour, Allez, faut taper la tour. On assure côté hasard, on va back. On va back TP côté hasard. C'est pas fini maintenant. On a encore 20 secondes là. 20 secondes pour terminer la game. Azaki a Purico, il va se téléporter directement. Il faut y aller, la T4 qui est très très low. Ouais, il y a le super canon, hein. Le super canon qui arrive, il faut y aller, là, il va falloir forcer. Allez, on y va, on a encore l'Elder en plus. Cabochard qui va go in, qui va go sur Scarlet directement. Scarlet est surpris. On a Sylvain qui va tomber. Cabochard qui devait mourir aussi. Regardez, ça tombe. Il reste plus que l'inhib. 20 Nexus maintenant. Est-ce qu'on peut y aller? Allez, tapez. Non seulement nous avons gagné ce soir, mais aussi nous sommes en play-off. On est en play-off pour la première fois dans l'histoire après 3 ans.